Voilà, donc nous on a mangé là. Et voilà, j'avais posé cracra mon. Hein, voilà. Avec mon sac. Et là, si j'entends de l'appareil, vous voyez ma gueule. Ah, bah tiens, on va peut-être voir en plus de ma gueule. Le village dont je parlais, si vous regardez bien là-bas, il y a une baraque. Si vous regardez sur la gauche, celle qui a la façade blanche avec les. Je sais pas si vous voyez, peut-être zoomer. Il y a trois fenêtres qui se distinguent. Et au-dessus, là, je disais le toit calciné. Ça faisait l'effet calciné. Mais en fait, c'est un panneau solaire ou un Velux en noir. Et je trouve que ça fait tache. Dans la première seconde, j'ai cru que la baraque était cramée et que le toit était éventré. Mais bon, après, c'est. Ah oui, ça fait un peu toi cramé. Oui, je suis pas dans l'architecture, mais franchement, je trouve que ça faisait tache dans la composition du paysage. Oh non, Qu'est-ce il qu'il reste 0,1% des bactéries quand on nettoie. y a? Ah, en même temps, détruire toutes les bactéries, c'est pas une bonne idée, parce que. Ils se régénèrent très vite. Oui, et puis c'est le souci qu'il y a dans les hôpitaux, justement, à trop nettoyer, ça Oh, finit c'est par encore appeler lourd, d'autres mais vas-y, bactéries plus dangereuses. on mange ce qui reste, c'est trop lourd.